Michel. Lucille. À quoi penses-tu, mon chéri? J'ai besoin de te le dire. À toi. Je n'en suis pas si sûre. Nous sommes seuls l'un et l'autre dans ce jardin, sans personne qui puisse saisir un geste, un mot. Je te regarde et je suis libre de le faire. Tu me regardes et il n'y a autour de toi aucune surveillance. Tu m'écoutes. Passionnément. Où veux-tu en venir? À ceci. Que nous devrions savourer pleinement cette rare minute de bonheur et pourtant nous ne le faisons pas. Il y a comme un voile. J'ai tort? Ne cherche pas trop loin. Prends la minute comme elle passe. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux heures qui la suivront. C'est tout de même pas notre dernière minute. Hein? Souvent je me le demande. Mais Lucille... Lucille, mon cher amour. Non, Michel, ça ne peut pas durer plus longtemps. Et c'est même ça que je devinais dans ton attitude tout à l'heure. C'est ça qui se dresse entre nous dans les moments où nous devrions être au comble du bonheur. Ah, le bonheur. Hein. Ton bonheur. Tu n'as que cette idée-là en tête. Mais parce qu'il constitue l'essentiel de la vie. Sa raison d'être. Parce qu'il se trouve justement à notre portée et que chacun de nous en a la conviction. Il suffirait de peu, de si peu, Michel, mon chéri. Mais ce que tu appelles un peu, ce sont des obstacles insurmontables. Non, non et non. Je me refuse à le croire. Regarde-moi. Non, mieux. En face, les yeux dans les yeux. Je veux que tu lises en moi comme je lirai en toi. Eh bien, tu es satisfaite? Ne plaisante pas, je suis si loin de ça. Et réponds. Je t'en supplie, réponds du fond du cœur. N'aie pas peur de me faire souffrir. Une douleur franche est préférable à une blessure qui s'envenime. Michel, tu m'aimes. Mais tu le sais bien. Mais je ne veux pas de tes protestations. C'est encore un moyen pour dissimuler la vérité sous des paroles fleuries. Je veux oui ou non. Sans la moindre restriction mentale. M'aimes-tu? Oui. Et moi? Est-ce que je t'aime? Oui. Oh oui. En es-tu certain? Oui. Et tu as raison. Je t'aime jusqu'à ne faire qu'un avec toi. À ne penser qu'à travers toi, en fonction de toi, selon ce que tu désires, sans même avoir à le dire. C'est bête, n'est-ce pas? C'est passé de mode, mais qu'importe. Et je voudrais moi aussi être tout pour toi. Oui. Hélas, il faut nous contenter de si peu de choses. Des bribes de bonheur à la sauvette, voilà ce que nous avons. Oh, Michel, je n'en peux plus. Partons n'importe où. Mais partir. C'est un rêve, mon pauvre petit. Mais pourtant... Mais non, Lucille. Il n'en est pas question, tu le sais aussi bien que moi. Pas plus Madame René Laurent que M. Michel Ferry ne peuvent se jeter dans une aventure pareille. Tu le sais bien, t'as ton ménage. Je m'en moque. J'ai mon foyer. On ne me dit surtout pas que tu tiens à cette idiote de Roland. J'ai pas dit que toi, Lucille, tu tenais à René. Alors pourquoi? Au nom de quoi sommes-nous enchaînés pour la vie à des êtres qui ne représentent rien d'autre pour chacun de nous qu'un état civil? Oh, Michel. Je serais si heureuse, si fière d'être ta femme.
Oui, enfin, en t'épousant, René t'a donné le luxe et le confort auquel tu as droit. En t'épousant, Roland a fait de l'ingénieur Ferry le successeur de son père à l'usine. Te figures-tu que je ne me le répète pas, tout ça? Mais l'argent, la maison, le luxe, tout m'est odieux si je ne le partage pas avec toi. Oui, je sais, mais si nous partions, ce serait pour partager la pauvreté. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Nous serions ensemble à tout moment prêts à nous aider, à nous défendre l'un l'autre. Nous pourrions avoir des enfants, Michel. Je ne veux pas d'enfant de René. Et Roland, elle, ne peut pas m'en donner. Alors partons, mon chéri. Laissons tout, disparaissons. Plus personne n'entendra parler de nous. La chance nous sourira. On dit qu'elle aime l'amour. Oui. Si tu divorçais? Crois-tu que je ne l'ai pas suggéré à René? Il refuse de comprendre. Je suis pour lui un objet et personne n'a le droit de le lui prendre. Et puis même si j'étais libre, le serais-tu, toi? Bah oui, mais la partie serait à moitié gagnée. Bon, tu es bien un homme. Tu te contenterais de ma liberté. N'as-tu pas deviné ce qui nous guette si nous restons liés ailleurs? Le naufrage, Michel. Le naufrage. Mais notre amour n'y survivra pas. C'est simple, si nous ne pouvons être totalement l'un à l'autre, mieux vaudrait tout de suite nous dire adieu. Mais jamais, jamais, jamais. Tu sais très bien que ça n'est pas possible. Tu t'oublies que nos ménages se fréquentent. Hein? Tu t'en comptes? Les amants redeviendraient des amis avant d'aboutir à l'indifférence. Hein? C'est ça que tu souhaites? Mais non, tu le sais bien. Je t'aime trop, Michel. Voilà, Michel, pourquoi nous devons partir. Non, revenons pas. Tous les deux. Non. Nous sommes riches l'un et l'autre. Pauvre, le souvenir nous pousserait aux comparaisons. Jusqu'à l'heure de la haine. Jamais. Jamais je ne cesserai de t'aimer. C'est justement ce qui me fait insister. Je suis sûre de moi comme de toi. Si seulement c'était possible. Quoi? Que Roland et René acceptent une séparation qui nous dépouillera ni l'un ni l'autre. Les hommes prennent décidément leurs rêves pour des réalités. Mais essayons au moins. Par moments, je me pose la question. Michel, j'ai peur. J'ai peur qu'à la fin, par lassitude, tu ne t'éloignes de moi. Lucille, je tiens à toi par-dessus tout. Sinon, je pense aux autres. René est mon ami, Roland est la tienne. Suppose que l'un ou l'autre commettra un acte désespéré dont nous serions responsables. Tu plains, René, tu t'attendris sur Roland, mais moi, je n'ai qu'à disparaître avec mon amour. Un tube de somnifère, je ne t'ennuie plus. Lucille! Oh non, rassure-toi, va. Ce n'est pas pour demain. Tant que j'aurai encore un peu d'espoir. Écoute. Demain, je parlerai à Roland. Je connais le résultat d'avance. Lucille. Je t'aime, je t'aime. Tu y crois lorsque tu le dis. Tu le dis bien, d'ailleurs. Mais est-ce que les mots ne t'abusent pas? Bonjour, monsieur Michel. Bonjour, madame Roland. Bien dormi? Madame Roland dort toujours bien si elle a son petit mari auprès d'elle. Je t'en prie, Roland. Bétifie pas comme ça. Oh. Puis nos âges. Oh. Parle pour toi, Michel. Moi, je suis un bébé. Oh. Roland. Mais pourquoi? Ça t'amuse plus? Autrefois, nos petites bêtises t'amusaient. J'ai vieilli. Oh non, tu es méchant. Mais bon Dieu, tu ne peux pas te rappeler parfois que je dirige une usine, mon petit oiseau. 50 ouvriers, des commandes à satisfaire, du matériel à surveiller. J'ai des soucis de toutes sortes, moi. Non, j'ai pas le cœur à bétifier. Mais t'étais content quand je t'ai donné l'usine, après la mort de mon papa. Bon, évidemment. Parce que ça représente une masse de tracas et d'obligations. Bon, vois-tu, il y a des moments où j'estime que mieux vaudrait vendre. Oh, vendre l'usine de papa? Pourquoi non? Ce serait une excellente affaire. Ah non. Je pourrais organiser ma vie différemment. Oh, je te verrai pas davantage alors. Roland, veux-tu que je te dise? Quoi? Divorçons. Tu veux me quitter?
Mais je suis plus ton bébé, moi. Monsieur, tu es ma femme, là, mais avoue que tu ne me facilites guère l'existence. Ou tu joues à l'enfant ou tu pleurniches. Un homme a besoin d'une compagne plus réjouissante, pour oublier ses préoccupations. Mais tu oublies que nous partons en vacances la semaine prochaine. Oui, ça, oui, je sais. Franchement, Roland, est-ce que nous n'avons pas commis une erreur en nous mariant? Tu ne crois pas? Il faut voir les résultats en face. Quoi? Regarde-moi. Mais non. Je suis pas l'homme que tu souhaitais. Mais je t'aime, Michel, tu le sais bien. J'essaierai de ne plus faire l'idiote, non? Oui, non. Calme-toi. Là. Je mettrai au point un arrangement financier. Je me consacrerai à l'usine et je te servirai une rente. Mais très, 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 très confortable, mon petit oiseau. Tout ce que tu me demanderais. Tu aurais ainsi un moyen idéal pour découvrir ce que je n'ai pas su être auprès de toi, Roland. Mais je ne veux pas te quitter, Michel, non. Non, tu es mon mari. On a signé à la mairie, à l'église, et on ne peut pas se séparer. Non, oh non, non, tu te moques de moi. Hein? Ah, tu cherches à m'effrayer pour jouer. Hein? Dis. Hein? Eh bien, oui. Oh, je te veux bien. Oh, tu verras comme nous serons heureux en vacances. Tout ce que tu veux, on le fera. Avec René et Lucille, on inventera des promenades, des sorties, des excursions. Tout ce qui te plaira pour que tu t'ennuies pas avec moi. Et puis j'essaierai de plus être un bébé puisque ça t'agace. Hein? Je serai une femme, une vraie femme, comme tu les aimes. Oui, sûrement, Roland, sûrement. René. Oui, Lucille. C'est toujours d'accord, n'est-ce pas? Nous partons avec Roland. Avec Roland et Michel, oui. Et nous passons 15 jours ensemble. Mais oui. Après, ils iront de leur côté et nous d'une autre. On dirait que ça t'ennuie maintenant. Dois-je te rappeler que l'idée vient de vous deux, les femmes? Non? Mais comme la chère Roland ne compte pas beaucoup, tu es sûrement à l'origine de ce plan. Tu as raison. Dis-moi, René, tu ne trouves pas que c'est un petit peu agaçant que tu aies toujours raison? Sans doute, cela tient-il à ce que je pèse toujours le pour et le contre. La manie des bilans, que veux-tu? Alors que moi, je ne suis qu'une tête de linotte. Mais non, bien sûr, non. Si tu prenais la peine de réfléchir et d'étudier le comportement des autres, comme de toi-même, tu constaterais que chacun est en réalité victime de ses élans. Enfin, un désir, une suggestion vous traverse et on en fait une obligation. Voilà. Coûte que coûte, il faut la satisfaire. On s'invente des arguments. Même les plus pondérés, quand ils se décident, ne s'aperçoivent pas qu'ils obéissent à des impulsions. Par moments, René, tu me terrifies. Oh, il m'arrive de me tromper également. Ne serait-ce qu'en conduisant. Parce que je roule trop vite. Oh, change de disque, ma petite Lucille. D'abord, la vitesse, c'est mon élan, à moi. Ensuite, j'ignore ce qu'est un accident. Alors, parce que la vitesse me permet d'échapper aux fautes des imbéciles. Quand tu dépasses le 150, j'hésite entre sauter et divorcer. Ni l'un ni l'autre, Lucille. Si tu sautes, tu te tues. Si tu divorces, je te tue. C'est bien ce que je pensais. Je suis ta captive. Très exactement, oui. Et une captive enchantée de l'être. Que ferais-tu sans moi, Lucille? Comment me vois-tu donc? Oh, certainement pas comme cette exquise gourde de Roland, dont je me demande pourquoi tu as fait d'elle ta meilleure amie. À titre de repoussoir, peut-être? Toi, vois-tu, Lucille, tu es une femme fleur. Voilà. On ne peut que t'admirer et vouloir te garder indéfiniment. Les fleurs se fanent vite, surtout lorsqu'on les coupe. En tout cas, René, pour épargner le cœur de la femme fleur, n'abuse pas de la vitesse. Du moins quand je suis avec toi dans la voiture. Beaucoup de ralentir. Tu as peur, Michel? Enfin, disons que j'ai modérément envie d'arriver au paradis en colis express. Tu conduis très bien, d'accord, mais il y a les autres. Oh, je connais ta chanson, mon vieux Michel. Mais je connais la tienne.
Vitesse égale sécurité. Ben voilà. Et si encore on se tue en venant de vacances, mais en y allant, ah non, non. Michel a raison, René, je te l'avais demandé, ralentis. Oh, c'est de là. Bon, écoutez, je ferai ce que demandera Roland. Votre avis, Roland? Moi, je trouve ça chou de rouler vite. Et voilà. Bien entendu, bien entendu. Si t'expédies et nous avec sur un camion venant en sens inverse, tu le trouveras toujours aussi chou. Oh là là, tu parles sans cesse d'accident. Au volant, René est un dieu. Pourquoi cette réserve? Au volant seulement? Oh non, bien sûr, René, toujours. Ah, prenez-en de la graine, les deux rabat-joie. Attention, René, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Oh, j'oubliais. Devine, Michel, la menace que m'a adressée la compagne de ma vie. Quand tu dépasses le 150, j'hésite entre sauter et divorcer. Fumant, non? Bon, ben, ralentis, puisqu'on te le demande. Oui, René, ralentissez. Lucille va se trouver mal. Oh, ça va, bande d'escargots. Oh, mais ne vous plaignez pas si nous arrivons à marée basse. Michel, mon chéri, je suis à bout de résistance. René me rend folle, je finirai par commettre une bêtise, mais je t'ai du haut de la falaise, tiens. Du calme-toi, mon petit. Calme-toi. Cesse de songer à ce qui existe ailleurs. Nous sommes seuls, toi et moi. Il fait beau. La mer monte doucement. Et nous avons 15 jours à passer ensemble. C'est... Ensemble? Mais comment oses-tu prononcer ce mot « ensemble » En réalité, 15 jours à souffrir de n'être pas l'un à l'autre. Une contrainte de chaque instant, l'impossibilité de te parler comme je voudrais. À tout moment, sentir sur nous le regard critique de René, un regard terriblement perspicace, crois-moi. Roland aussi est là. Oh. Allons, mon chéri, Roland est une idiote. C'est une jolie idiote, mais enfin tout de même, ce n'est qu'une gourde. Elle nous encombre de sa présence, oui, mais elle a confiance en toi. Que tu lui as parlé divorce, quelle a été sa réaction? Pleurnicherie. René, lui, a été direct. Si je risque la moindre démarche en vue de lui échapper, il m'exécute. Et il le ferait. Froidement. Méthodiquement, comme tout ce qu'il fait. Sauf lorsqu'il est au volant. C'est peut-être ça qui le rend si agressif. Du coup, tu crois qu'il nous surveille, toi et moi? Je me le demande. Enfin, rien dans ses paroles ni dans son attitude ne laisse supposer qu'il aurait un soupçon. Qu'il aurait surpris quelque chose. Jamais René ne montre quoi que ce soit de ce qu'il pense profondément. Il s'amuse, il sourit, il rit parfois, mais c'est un mur infranchissable. Oh, j'en viens à le haïr. Michel. Oui, ma chérie. Tu refuses toujours de partir avec moi? Ben, plus que jamais. Ce que tu m'as pendronné renforce ma décision. Il se montre tel que tu le dépeins. Prêt à te tuer plutôt que te laisser partir. Une autre voie. Une autre voie. Nous vivons dans l'angoisse. Nous, Lucille, il nous faut de la patience. Savoir être heureux avec ce que nous avons. Bien peu, sans doute, mais assez pour embellir notre vie. Pardonne-moi de ne pas partager tes illusions. Je suis plus exigeante que toi, Michel. Les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont. René, j'en ai la conviction, est désormais sur ses gardes. Malgré ma prudence, un jour ou l'autre, je prononcerai la parole, je ferai le geste qu'il renseignera. Et c'est lui qui nous devancera. Qui nous devancera? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Rien que tu n'aies compris. Chaque jour qui passe donne à René plus d'empire sur nous. Chaque jour le rend plus redoutable. Chaque jour nous met davantage à sa merci. Et puisque tu refuses la fuite, Michel, qu'est-ce qu'il nous reste? Le supprimer. Lucille. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'en suis arrivée là. Mais
Que faire d'autre? Tu préfères sacrifier notre amour? Nous séparer, rester bons camarades, toi avec ta Rolande et moi à la merci d'un fou? Ah non, Michel. Le bonheur, ça se conquiert. Lorsqu'on l'aperçoit à sa portée, on le prend. Choisirais-tu d'être un large que moi, je m'y refuse? Non. La falaise est assez haute. Non, non, Lucille. Lucille, tu perds la tête. Non. Je ne peux vivre sans être à toi, alors je préfère le suicide. Ça passera pour un accident. Ah bah, suicide, je t'en empêcherai bien. Oh, mais non. Non, rassure-toi. Me tuer, ça serait te perdre. C'est lui. Oui, c'est lui, René, qui doit disparaître. Quoi? Tu t'y connais assez en mécanique pour que la voiture soit à la merci. À la merci d'un virage pris trop vite et trop brusquement. Je comprends maintenant. Voilà pourquoi tu m'as amené ici, en haut de la falaise, soi-disant pour me montrer l'horizon. Quand tu t'es avancé vers leur bord, tu cherchais à m'éprouver afin de mieux me convaincre. C'est extravagant, Lucide. C'est extravagant. Ce jour-là, tu prétexteras un rendez-vous à Paris. Non, non, non. Tu prendras le train du matin et nous t'accompagnerons à la gare. Non. Et de mon côté, je refuserai de faire l'excursion qui aura été décidée la veille. Une migraine, un malaise, peu importe. Non. Mais ils seront ravis, tu penses? Surtout cette sotte de Rolande, toujours en extase devant les exploits de René. Pourquoi se priverait-il de la promenade? Toi, tu es dans le rapide. Moi, je reste à la villa. Il roule. Personne auprès de René pour modérer son penchant à la vitesse. Les virages se suivent sur la route des falaises. Non, 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 Lucille. Oh, préfères-tu que ce soit moi qui saute? Mais nous serons les premiers suspects. À toi d'être assez habile. À moi de donner le change. Bon. Et après? Tu y songes? Après? Mais je ne fais que ça depuis des semaines. Après, nous aurons le droit d'être l'un et l'autre. Michel. À moins que tu ne m'aimes pas. Oh, folle, folle. Tu sais bien que je ferai n'importe quoi pour passer une heure avec toi. Aujourd'hui, il ne faut rien négliger pour que nous soyons réunis. Et pour que notre vie devienne un perpétuel enchantement. Nous aurons des enfants, Michel. Oui, oui. Et aussi un affreux souvenir. Le souvenir d'un accident malheureux ne pèsera pas lourd. Et si l'accident ne se produit pas? Fais ce que je te demande. Si nous échouons, c'est que le destin sera contre nous. Nous ne sommes pas malheureux en ce moment. Je veux dire que ce sera fini si notre plan échoue. Vois, je ne suis même pas triste à cette idée. Ce qu'il faut, vois-tu, c'est tenter l'impossible. Mais tu n'as pas réfléchi, tu parles d'accident. Accident? C'est un meurtre? Conduire comme il le fait, ça s'appelle rouler à tombeau ouvert. Oui. Surtout si j'ai trafiqué la direction de la voiture. À toi de choisir, Michel. Ce sera lui ou nous. Ce voyage à Paris? Mais je t'ai expliqué 10 fois, Rolande, j'ai 2 clients rencontrés, des très gros clients. Tu comprends? L'usine commande, non? Oh, tout de même en vacances. Mais écoute, je serai de retour demain dans la matinée, promis. Ah. Allez, prenez. Te confie, Rolande. Et compte sur nous. Excursion aux roches, ça lui changera les idées. Hé, sois prudent, conduis pas trop vite. Oh, quelle peur tranquille, celui-là. Je ne comprends pas comment vous l'avez choisi, mon petit Rolande. Oh, ben, il est gentil quand il veut. Au revoir, mon chéri. Mais bon voyage. Et pense un petit peu à ton bébé. Oui, bébé, hein? Oui. Au revoir, Lucille. À demain, Michel. Nous viendrons tous les trois vous chercher au train. 11h32, n'est-ce pas? C'est ça. Et bonne promenade. Angleterre,
Attention les balles. Une bonne chose de faite. Oh là là. Vous êtes tout à moi maintenant, mesdames. Oh non, hélas, pas de pluriel. Tu me pardonneras, Roland, mais je me suis levée ce matin avec une affreuse migraine. Oh. Fais un effort, Lucille. Je vois pas pourquoi. Vous aimez la vitesse et le vent, et l'un et l'autre font mauvais ménage avec les névralgies. Oh, ben alors. Non, venez, rentrons à la villa, le temps de vous changer, de boire une tasse de thé, et bonne excursion, mes petits agneaux. Enfin, on devait déjeuner en route. Eh ben, vous déjeunerez sans moi. Moi, je me contenterai d'une serviette mouillée sur le front. Oh, bah ça alors. Si le train de Michel n'était pas direct jusqu'à Paris, ce qui ne lui laisse pas la possibilité de revenir, je supposerais que vous vous êtes ménagé un petit rendez-vous clandestin. Oh. Pas vrai, Hollande? Moi, j'y avais pas pensé, moi, là. Ah, c'est drôle. La vie est faite de minces détails. Si on les rapproche, on comprend beaucoup de choses. Moi, je comprends pas. Aucune importance. Nous reprendrons cette conversation ce soir, Lucille. Si tu veux bien. Ce soir, oui, René. J'espère que vous goûterez la promenade malgré mon absence. Mais au fait, je pourrais moi aussi m'inquiéter de vous laisser seul ensemble toute une journée. Oh. Très drôle comme insinuation, très drôle. Mais ne compte pas que je changerai mes plans pour cela. J'ai proposé une excursion, je la fais. Oh. En dépit des migraines. Oh, René, on pourrait y aller demain. Non, demain nous irons accueillir Michel, on lui a promis. Allez, venez, Roland. Un saut à la villa pour déposer Lucille, on se change et en route. Mais dis-toi bien, Lucille, que tes manières commencent singulièrement à m'agacer. Allons, viens avec nous, fais un effort. Ça ira mieux, tu verras. Non, tu es gentille, Roland, mais j'ai besoin d'une journée de repos. Oh. Si je restais avec toi... Non, surtout pas. René me rendrait responsable de son excursion manquée. Ça ne va déjà pas si bien, notre ménage. Ah. Qu'est-ce que vous racontez, toutes les deux? Du mal de vos époux respectifs, je parie. Ta perspicacité, René, est pour moi un perpétuel sujet d'étonnement. De jour en jour, tu te perfectionnes. Ah, ça ne fait que commencer. Bientôt, tu ne me cacheras plus rien de tes pensées les plus secrètes. Perspective idéale. En attendant ce beau jour, bois ton thé, il est presque froid déjà. Et faites une belle promenade, mes enfants. Et puis, même si je ne suis pas là, surtout, attention en conduisant. Michel t'a confié Roland, alors pense à elle. Ah, ce thé est infect. Froid et amer. Tu veux que je t'en fasse un autre? Non, nous n'avons que trop tardé. Allez, en route, Roland. En route. Allô? Allô, qui demandez-vous? Oui, c'est moi. Oui, j'écoute. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh non! Oh non, c'est impossible! Oui. Oui, je comprends. Oh, mon mari conduisait comme un fou, je ne le sais que trop. Oh, je ne cessais de le mettre en garde. Oui. Oui, je vais essayer de joindre Monsieur Ferry. Merci, monsieur. Thank you.
Allô? Allô, je voudrais parler à Monsieur Ferry, s'il vous plaît. Ah, c'est vous, Michel. Un accident. Un affreux accident. Roland et René, oui. La gendarmerie vient de me téléphoner. La voiture est tombée du haut de la falaise. Revenez, Michel. Le plus vite possible. Déjà toi, Michel. Je ne comptais pas te voir avant ce soir. Dès ton appel, j'ai sauté au Bourget et j'ai pris un avion taxi, tu penses? Alors? C'est vrai? Assieds-toi près de moi, Michel. Tout près. La domestique? Oh, dans la cuisine ou au jardin, dans les chambres, enfin peu importe. Oh, serre-moi dans tes bras. J'ai froid. J'ai si froid. Je ne le sais que trop, c'est stupide, ça passera, mais... Sur le moment, quand le brigadier de gendarmerie m'a appris... Oh, mon Dieu. Mais comment ça s'est produit? Ce que nous avions prévu. Plusieurs personnes ont remarqué l'auto avant l'accident. René conduisait à sa manière habituelle, le pied au plancher, les virages abordés à plus de 100, un coup de frein pour accentuer la manœuvre et accélérer. Ça, on réussit 1000 fois, puis au 1001e tournant, l'auto vous échappe. Oui. Et il y a eu des témoins de la chute? Des gens étaient arrêtés pour admirer le paysage. Ils se tenaient sur le bord de la route. L'un d'eux a même évité de justesse d'être heurté par la voiture. Et où est-ce exactement? Un peu après le cap d'Antifer. Si René avait conduit à peine moins vite, il reprenait le contrôle de l'auto, mais... Il paraît qu'elle a foncé sur la pente, zigzagué, fait 2 ou 3 tonneaux jusqu'au moment où... Où elle a basculé dans le vide. Ouais. Ils ont été tués sur le coup? Oui. C'est curieux. Ni l'un ni l'autre n'essayait de sauter pendant les quelques instants où la voiture roulait sur la pente. Les témoins racontent que René se cramponnait au volant pour essayer de remettre la voiture en ligne. Oui, mais Roland... Elle pouvait sauter, elle. Elle pouvait, en effet. Mais elle ne brillait pas par l'intelligence et encore moins par l'esprit de décision. Et tu... Enfin, on t'a prévenu tout de suite? Oh, presque, oui. Les secours se sont organisés rapidement. La marée haute bloquait l'accès de la plage au pied de la falaise. Des sauveteurs sont descendus avec des cordes. Puis d'autres sont arrivés par le bas dès que ça a été praticable. L'auto était... L'auto était disloquée. Hein? Et elle n'a pas brûlé. C'est étonnant, ça. La mer recouvrait les rochers. S'il y a eu des étincelles, les vagues ont empêché qu'elles enflamment l'essence. Ah oui, je vois. Ça te tracasse? Quoi? Que l'auto n'ait pas pris feu. Mais non, pourquoi? Comme ça? Et où sont-ils? On les a ramenés à l'hôpital d'Étretat. Je vais m'en occuper. Il y a mieux à faire pour l'instant, Michel. C'est inutile de tourner plus longtemps autour de ce que nous éprouvons. Il faut regarder les choses en face. Oui? Mais t'imagines-tu par hasard que ça m'effraie si peu que ce soit? Tu fais erreur, Lucille. J'ai rien à craindre, moi. Tu es libre de m'accompagner à Étretat si tu le désires. Mais nous avons le temps. Tu ne les feras revivre ni l'un ni l'autre. Tandis que nous avons désormais la vie devant nous. Il s'agit de protéger cette vie. Mais qu'est-ce que tu sous-entends par là? Eh bien, parle! Rien ne te retiendra sur le chemin que tu as choisi, hein. Alors, une bonne fois pour toutes, dis ce que tu as sur le cœur, hein. Et finissons-en. Eh bien, Michel, c'est que précisément nous devons nous taire. Les événements se sont déroulés de la manière que nous avions arrêté, au jour et à l'heure que nous avions fixé selon le plan que nous avions tracé. Tu es d'accord? Va toujours.
Maintenant, Michel, nous sommes libres. Libres de notre destin. Libres de nous aimer comme nous en avions le désir. Libres de nous unir. Bien sûr, après les délais, mais libres. Je me trompais en insistant pour que nous partions ensemble. Les choses sont tellement mieux ainsi. Et notre foyer ne sera assombri par aucun souvenir, aucune image. À une condition. Tu me comprends? Pas encore. Quelle condition? Que le silence se fasse. Un silence absolu où le péril ne risquerait pas de se faufiler. Quand je parle de silence, je ne le limite pas aux mots, mais aux pensées aussi. Michel, hier n'existe plus. Notre vie commence de cette seconde même où nous nous trouvons désenchaînés pour aborder une vie de bonheur, la main dans la main. Ouais. Ce qui signifie en clair, ma petite Lucille, primo, que tu me considères comme un assassin, et secondo, que tu es prête à mettre la main dans la main de cet assassin. Mais non, Michel, c'est pas si, ça. Si. Et tu ne m'en voudras pas, je l'espère, si je refuse le rôle que tu me destinais. J'ai pas tué. Ni René, ni Rolande. C'est pas moi. Sois-en persuadé. Voilà. Voilà ce que j'essayais de te faire entendre dès l'instant où tu es revenu, où je t'ai revu. L'accident demeure un accident. Nous devons en graver la certitude en nous. Une certitude plus puissante que tout, plus forte que les hypothèses et les suggestions. C'est là, cette condition dont je te parlais. Oui. Tu es convaincu que j'ai assassiné ton mari et ma femme, après quoi, ayant décidé d'oublier un tel crime, un avenir de joie et de bonheur s'ouvrirait devant nous. Le silence avant tout, Michel. Oui. Un silence qui abolit le passé dans ses moindres détails. Oui. Le silence de la complicité. Non. Non, le silence de l'amour. Rappelle-toi nos heures à nous. Celles qui nous appartiennent en toute propriété. Qui se situaient en dehors de René, en dehors de Rolande. Nous étions déjà séparés d'eux. Qu'étaient-ils alors sinon des fantoches sans consistance? Assez embarrassant, ces fantoches, pour que tu aies décidé de les éliminer, Lucille. Non, Michel. Il faut oublier. Mais oublier quoi, bon Dieu? Tu as fait ce que notre amour exigeait de toi. N'y songe plus. Chasse de ta mémoire le geste que tu devais accomplir. Mais le geste que tu m'avais demandé. Mais pas une minute, je n'ai songé à nier mon influence. C'est moi, en effet, Michel, c'est moi. Moi qui t'ai suggéré d'agir. Moi qui ai dressé le plan d'où sortirait notre liberté. Mais le but est atteint. Donc rien ne demeure de la route suivie pour y parvenir. Mais tu as raison, chérie. Tu as raison. D'autant plus que je n'ai rigoureusement rien fait. Magnifique. C'est de cette façon-là que tu dois penser. Et moi avec toi. Il n'y a rien derrière nous. Pas même le souvenir d'un geste. Autrement dit, tu restes convaincu que j'ai trafiqué la voiture de René pour que la direction se rompe dans un virage pris à trop vive allure. Bien. Bien, tu n'as rien fait, c'est entendu. N'est pas banal, celle-là. Te voici prête à te remarier avec l'assassin de ton époux. Puisque je te dis que je te crois. Et moi qui me sais innocent, je vois que tu n'en démordras pas, comme s'il fallait l'auréole d'un crime pour consacrer un amour. Mais je t'aime, Michel. Oui, je t'aime au-delà de tout. Oui, au-delà de l'assassinat, oui. Seulement ça, il y a un obstacle. Et tu m'en excuseras. J'entends que tu sois persuadé de mon innocence, tu comprends? J'en suis persuadé. Non, des mots. Non, en vérité, tu es convaincu du contraire. Tiens, j'en viens à me demander si tu ne serais pas déçu d'avoir la preuve de ma non-culpabilité. Je t'aime tel que tu es. Bien. Alors n'hésitons pas. Quoi que tu en penses, ce serait trop affreux si tu découvrais plus tard la vérité. Tu m'aimes. Tu veux rebâtir ta vie à mes côtés. Que ce soit donc en pleine connaissance de cause. Mais qu'est-ce que tu fais? Téléphone, tu vois. À qui? Attends une seconde. Allô, c'est vous, Métayer? Michel Ferry, l'appareil. Oui, Métayer. Un accident. Ma femme était sortie en auto avec René Laurent, un ami, et la voiture a raté un virage. Elle a basculé dans le vide. Bah oui. Oui, mais ça ne paraît pas très normal. René conduisait très bien.
Alors, voulez-vous alerter l'assurance? Qu'on fasse le nécessaire. Et surtout, sans perdre un instant. Ah oui, mais oui, surtout. Surtout une expertise de l'auto approfondie et de toute urgence. Hein. Ben, je sais pas, je me demande si on n'aurait pas trafiqué la direction. C'est ça. Merci, Métayer. Je compte sur vous. Métayer, vite. Hein, vite. Merci. Michel, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mais tu es fou, non, mais ils vont découvrir la vérité. Mais c'est très exactement ce que je veux, Lucille, que tu connaisses l'homme avec qui tu comptes refaire ta vie. Métayer m'a promis d'agir sans perdre une minute. Alors, écoute, d'ici que nous soyons fixés, plus un mot, tu veux bien, Lucille? Plus un mot sur cette question. Hein? Et où vas-tu? Eh bien, là-bas, une hectare, tu ne crois pas? Si. Si, attends, je t'accompagne. Très bien, mais rappelle-toi, Lucille, plus un mot. Sois tranquille. Pourvu que tu ne le regrettes pas. Michel, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais plus, comme si nous étions subitement de chaque côté d'un fossé qui s'agrandit, qui nous écarte. Mais c'est pas un fossé, c'est un tombeau. Tu es fou. Je sais pas. Je sais pas. Ça procure une sensation étrange que d'être pris pour un criminel par la femme qu'on aime. Tu ne devais pas en reparler. Oui, c'était facile à dire. Je t'avais mise en garde. Il fallait la voir en face, cette vérité. L'accepter, non? Mais non, tu... Tu fais fausse route, Lucille. Tout est tellement plus... plus simple. Et tellement plus désespérant. Parle. Parle, mon chéri. Non. Plus tard. Quand je saurai. Soit. Tu as trafiqué la direction de la voiture, peu importe comment, mais ça ne te fait pas criminel. Tu as laissé au hasard le soin de décider, de trancher à la minute voulue par lui, non par toi. L'accident pouvait aussi bien se produire ailleurs, dans une ligne droite, dans une manœuvre en ville. Et ça se terminait par quelques tôles froissées. Regarde-moi, Michel. Je suis près de toi. Je serai toujours là, prête à te défendre si quelqu'un s'avisait d'un soupçon. À te défendre au besoin contre toi-même. Qu'est-ce que tu as? Je t'écoute, Lucille. Allô? Ah oui? Oui, je vous le passe. C'est pour toi, Michel, Métayer. Ah. Allô? Oui, c'est moi. Ah. Oui, mais je vois très bien. Et non, vous êtes sûr, hein? Oui, c'est certain, mais enfin, tout de même, j'ai besoin de... Ah. Merci. Merci. Oh, bien entendu. Oui, enfin, de toute façon, l'essentiel, c'est ce que vous m'apprenez. Oui, pour tout ça, à bientôt, Métayer. C'est ça. Voilà. Mais alors, parle. Eh bien, la voiture de René a été examinée, la direction en particulier. Pas la moindre trace de sabotage. Oh non. Le rapport d'expert n'a pas encore été rédigé, mais enfin, Métayer est formel. L'accident n'est imputable qu'à une faute du conducteur. Enfin, hein, conducteur, René, par conséquent. Peut-être y a-t-il eu un faux mouvement de Roland, de retendre le bras de René, je sais pas, moi, ou une guêpe qui est entrée dans l'auto, enfin, on le saura pas. En revanche, tu peux chasser de ton esprit tout ce que tu avais bâti à mon propos. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on ne peut plus possible, au contraire. Je te l'avais assez dit. Mais tu m'avais juré. Non, rien du tout. C'est d'accord, tu avais évoqué l'idée de cette double disparition. Mais toi aussi. Oh, mais oui, oui. C'est vrai, je reconnais. Mais, sans la souhaiter, vraiment. Bien sûr, nous pouvions imaginer notre existence après. Mais pas à ce point-là. Mais moi, c'est ce que j'attendais de toi. Lucille. Tu me regardes comme un monstre, hein, Michel. Eh bien oui, je suis un monstre. Mais je t'aime, Michel. Je ne veux rien savoir d'autre.
Mais je n'ai rien fait, comprends-tu? Si tu en doutes encore, téléphone quand même à Métayer. Mais réclame une contre-expertise. Oh, c'est inutile, je suis fixée. Il m'a suffi d'observer ta figure tandis que Métayer te rassurait. Tu avais si peur d'être considéré comme un assassin. Oh, mon pauvre Michel, je me demande... Quoi? Si ton amour a jamais été à la hauteur du mien. Toujours la même histoire, quoi. Enfin, pourquoi as-tu pris le train ce matin-là? Pourquoi ne pas me prévenir de ton abandon? Pourquoi? Oh, je me le suis demandé moi-même, tandis que je roulais inutilement vers Paris. Je sais pas, sans doute, pour que tu sois seul, en face de ton problème, que tu te ressaisisses. Et moi aussi. Une journée de solitude, c'était pas trop pour ça. Et puis... Tu as peur de continuer, hein? Tu veux que je te dise, moi, quoi tu pensais sans te l'avouer à toi-même? Tu pensais... Je n'ai pas eu le courage de saboter l'auto, mais le destin va peut-être agir de son côté. C'est pas ça? Oui, possible. Non, Michel. C'est autrement clair. Si René s'est tué, c'est pas par hasard. Mais parce que moi, j'ai eu le courage que tu n'as pas eu. Mais voyons. Toi, Lucille? Moi. Mais enfin, je ne peux pas te croire. Tu as tort. En train de trafiquer l'auto, toi? Alors donc. Mais non. Oh non, il y a d'autres moyens. Les hommes ont le courage du muscle, et encore. Seulement les femmes ont le courage de la ruse. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire, à la fin? Parle, tu entends? Parle. Oh, mais tu me fais mal! Ce n'est pas en me brutalisant que tu obtiendras des aveux. Oui. Excuse-moi. Oh. Tu te souviens, je te l'ai dit, qu'avant de partir, ils se sont arrêtés à la villa. Oui. René et Roland, oui. Oui. Nous avons bavardé, bu une tasse de thé. La bonne était partie faire des courses et... C'est moi qui préparais le thé. Très fort. Comme René l'aimait. Ah. C'est vrai. Tout. Ah oui. Le thé? Oh non. Non, je ne l'ai pas empoisonné. Quelques comprimés de tranquillisant, ça suffit. Sinon, pour supprimer, du moins pour atténuer les réflexes. Sur un individu qui a le grand tort de toujours conduire vite. Enfin, constate-le, Michel. Je laissais une large part au hasard, comme je t'avais demandé de le faire. Mais enfin, mais tu mens! Mais tu sais très bien que je te dis la vérité. Oh non, 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 non! Un virage pris trop vite, un manque de réflexes et... Et voilà. Voilà. Nous sommes libres. Sans aucun soupçon. Tu vois, au fond, tu as bien fait de ne pas toucher à la direction. Si ingénieux que tu sois, tu risquais de laisser un indice. Tandis qu'au contraire, moi... Lucille! Mais oui, Michel. Lucille. Mais oui, c'est moi la criminelle. Et retiens qu'il n'existe aucun expert capable de prouver mon courage. Michel, tu auras beaucoup à te faire pardonner. Mais suppose qu'on ordonne l'autopsie. Oh, tu en es là, mon chéri. Oui, enfin, c'est une supposition. Tu vas prétendre que tu adorais Roland au point de réclamer une autopsie qui pourrait me faire accuser. Moi? Non, évidemment. Oh. Oh, tu fais aussi bien. Car je n'ai pas drogué son thé à elle. Seul le thé de René offrait de l'intérêt à mes yeux. Oui, possible, mais lui... Oh, alors là... Là, tu m'excuseras, mais je me refuse de livrer son corps à cette abomination. Renonce, Michel. On est libre. Libre pour la vie. Et complice, que tu le veuilles ou non. Il vaut mieux choisir l'amour, Michel. Ah non. Ah non, il me semble ne pas te connaître. C'était toi, la femme éprise, qui se serrait contre moi. C'est ça. Toi que j'aimais jusqu'à tolérer l'image d'un double crime. Mais pas jusqu'à le commettre. Tu me dois beaucoup de reconnaissance. Ce double crime, j'en suis l'auteur pour que nous soyons enfin unis. Est-ce que je pouvais te donner davantage, Michel? Allô, oui, c'est moi. Ah. Ah oui, je comprends.
Non, en effet, je ne m'y attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vois, je prends notre écouteur. Ah non, je ne te permets pas. Oui, enfin, à ton aise. Oui, 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 je suis toujours à l'appareil, monsieur. Je ne peux pas m'y opposer, n'est-ce pas? Bon, alors très bien. Au revoir, monsieur. Alors? Je crois que je finirai par admettre, Michel, la transmission de pensée. Comment ça? À moins que dans l'enthousiasme de voir ton innocence établie, tu n'aies discrètement cherché un moyen de me perdre. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas supposer? Alors explique-moi pour quel motif l'assurance a-t-elle réclamé une autopsie? Enfin, tu sais ce que m'a dit Métayer, tout de même. Non, mais c'est assez clair. En demandant l'expertise approfondie de la voiture, tu as déclenché les soupçons. Tu as gagné, Michel. Je crains toutefois que tu ne le payes un peu cher. Où vas-tu, Michel? Michel, reste! Voilà, Michel. Deux jours sans nouvelles de toi, je t'ai cherché partout, mais où étais-tu? J'étais dans un hôtel plus loin, sur la côte. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Rien. J'attendais. Tu te moques de moi? Oh, hélas. Parle-moi du monde. J'attendais de savoir. Quoi? Résultat de l'autopsie. Et? J'ai fixé Lucille. Ils savent? Oui. Mon Dieu. Oui, Lucille, il est probable que tu ignores tout du genre de recherche qu'on fait en pareil cas. Personnellement, j'en savais pas beaucoup plus, mais enfin, on me l'a expliqué. Voilà, lorsqu'il y a agonie, les barbituriques s'éliminent en grande partie. Au contraire, les reins les fixent et s'il y a mort violente. Tu comprends? L'analyse devient ainsi plus facile, surtout à l'aide de l'analyse spectrale. Enfin, ils appellent ça comme ça. On peut de la sorte déterminer avec exactitude le pourcentage de produits toxiques dans le sang. Je ne t'ennuie pas, non? Non. Alors je continue. Dans le cas de René, les constatations post-mortem, c'est le terme, sont indiscutables. Tu me suis, Lucille? Oui, bien sûr. Alors apprends qu'on n'a pas trouvé la moindre trace de poison. Il mente. Pas la moindre trace. Tu n'as pas pu tenter de droguer René que je n'ai essayé de saboter leur voiture. Réponds. Eh bien, réponds. C'est vrai, je n'ai rien fait. Toi non plus, tu n'as rien fait. Nous nous aimions, c'est tout. Non, 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 erreur. Ce que nous appelions l'amour, c'était le désir secret d'échapper chacun à notre union. Non, nous nous aimions pas, Lucille. Nous nous le répétions afin de camoufler notre envie de fuir. Toi, René, moi, Rolande. Qu'importe, aujourd'hui nous sommes libérés. Plus prisonniers encore qu'hier. Nous ne pourrons plus jamais nous regarder en face. Mais puisque nous avons la certitude de notre innocence. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant, le mot innocence, pour nous? Bien sûr que non. Nous ne sommes innocents ni l'un ni l'autre. Tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, oui, plus que tu ne crois. Mais pourquoi, n'étais-tu pas avec eux dans l'auto ce jour-là? Oh, Michel!